Je m'en occupe. Thank you.
bouge pas. On charge. Allez, on s'active. On tabasse. Oui, chef. Non, Weaver, vous êtes là? Je suis à la mine. Parfait. Bon, jetez un œil. D'après le rapport que j'ai lu, il y avait des kits de test de minerais. Il vous en faudra un. Un kit de test de minerais. Bien compris. Le cinabre est rougeâtre, mais pas brillant. Il aura l'air terne. Vous pourrez pas le rater. Testez le minerai. Il doit être pur à 60% minimum. Ok, compris. Un kit de test. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un kit de test de minerai? Peut-être dans une de ces remises. Non, rien ici. Faut un kit de test, pas de l'essence. Et voilà, un kit de test. Première nouvelle. Ok, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Une pierre rouge terne. Du cinabre, nickel. Allez, montre-moi à quel point t'es pur. Ouais, il est juste assez pur. Laissez-moi deviner, plus d'essence? Ben voyons. Et voilà, du cinabre. T'en avais bien besoin. Ça y est. C'est bon, le cinabre.
marche encore. Ça les foule. Ça suffira pas, il me faut plus de minerais. Une cage d'ascenseur. Oh la vache, je me demande où ça mène. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, il me faut plus de minerais. J'ai besoin de plus de cinabre. Du cinabre, super, c'est cool. Allez,
Ouais, ça fera l'affaire. Qu'il y a là-haut. Un autre tunnel. On dirait que celui-ci a été abandonné il y a un bon bout de temps. Ok. Lieutenant Weaver, ici Saint John. J'ai le cinabre que vous avez demandé. Saint John, parfait, parfait. Je suis presque prêt. Une seconde. Je peux vous aider, lieutenant ? Weaver, j'ai plus d'alcool isopropylique. Il vous en reste ? Ouais, j'ai une bouteille de vodka dans ma tente. C'est tout à l'heure. Vous abandonnez jamais. Allez, détendez-vous un peu. Allez vous faire foutre. Saint John, désolé pour ça. Bref, déposez le minerai dès que vous pourrez. J'ai d'autres ingrédients à vous faire chercher. Terminé. Hey, je suis nouveau ici. Je m'appelle Deacon Saint John. Enchanté. Moi, c'est Ella Salazar. Mais appelez-moi Sal. Caporal, au revoir. Lieutenant ? Non, mec. Vous pouvez laisser ça à la porte. Non. Non, je parlais du protocole militaire. Ah... Ok, je crois que j'ai ce que vous cherchiez. Ok, ouais, c'est super. Hé, attendez une seconde. Tenez. Polystyrène.
Ouais, vous savez, des trucs qui servaient à fabriquer des gobelets ou ensacher des cacahuètes. Vous voyez? Ouais, je vois. Et en fait, comment ça s'est passé? Avec la sorcière de Wizard Island? Avec le lieutenant Whittaker? Wow. Je croyais qu'on avait dit d'oublier le protocole de minute. Ce sera tout, caporal. Ce sera tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Caporal. Hé, dis, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'un mec de la côte Est est venu foutre ici, aussi loin de chez lui? Ouais, c'est ça. J'ai servi avec un gars de Long Island. Disons que vous êtes facile à reconnaître. Ouais, je sais. Ben, c'est pas compliqué. Avant tout ce merdier, j'avais un site web qui s'appelait Faites... Caporal. Caporal. Salut, sergent. Hé, hey, t'es nouveau? Moi, c'est Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Oui, je viens d'arriver. Ah, ok. Caporal. À plus. Il est avec l'unité de pourri. Ouvre la porte. Caporal, parfait. J'ai une tâche nécessitant vos talents particuliers. Ouais, ok, chef. Vous vous rappelez Vasquez? Le déserteur? Ouais, on l'a suivi jusqu'à un camp de bûcheron, je m'en souviens. Eh bien, cet homme, le sergent Lee Anderson, était son partenaire. On s'apprêtait à l'arrêter quand il a tué un garde et pris la fuite. De vrais accros du code de l'honneur, vos hommes. Nos hommes? Vous êtes des nôtres dorénavant, vous avez oublié? J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte.
Apparemment, comme Vasquez, il n'était pas seul. Génial. J'ouvre la Oui, je suis à l'endroit où le sergent Anderson a été vu pour la dernière fois. Bon, s'il l'a toujours, reprenez lui son insigne de la milice, qu'il ne soit pas corrompu par un traître puant. C'est noté. Terminé. Le lit. Il doit être là. Non. Où il est, ce putain de lit?
Passons aux choses sérieuses. Rien de tel que la ferraille.
Il doit être quelque part dans le coin. Où est-ce qu'il est fourré? Je vais regarder ça de plus près. On a quoi? Oh merde, des loups! Jeter un coup d'œil dans le coin. Ok, voyons ce qu'on a ici. Oh putain, c'est Anderson qui traîne comme ça. Mais comment je vais récupérer ma prime, moi? Grotte de tête, une balise du Nero. Ok, où elle est? De la section de recherche. Comment fait le virus pour, comment dire, sauter? Vous
voulais dire, comment il passe d'une espèce à l'autre. Ouais, on l'a vu sur des chats, des chiens, des oiseaux, c'est loup. Je croyais pas que c'était possible. Savez-vous ce que c'est, une maladie neuro-invasive, zoonotique, virale, caporale? Non, aucune idée. Pensez à la rage. Tout comme le virus Hooligan, la rage se répand par un contact avec des fluides. La salive, le sang, le sperme. Oh, c'est dégueulasse. Et alors que le virus infecte essentiellement les mammifères, les cultures en laboratoire ont montré qu'il pouvait aussi infecter les oiseaux, les reptiles et même les insectes. Savez-vous combien il existe d'espèces de mammifères dans le monde? Beaucoup, j'imagine. Oui. Beaucoup. 5400 souvent à qui vous demandez. Tout cela, chats, lapins, chiens, chevaux, moufettes, opossums, renards, singes, marmottes. Eh oui, les loups peuvent être infectés et transmettre le virus. Vache. Et qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, je veux dire. Observez la musculature de ce sujet. Le tubercule supraglénoïdien est gonflé et détendu. Les tuberosités de Luna et radiale. Un loup normal, il pourrait courir entre 50 et 60 km à l'heure. Celui-là, il pourrait atteindre les 100 et il pourrait mâcher le loup en même temps. Qu'est-ce que ça signifie, le loup caporal? C'est que vous résistez. C'est pas nous. Je pourrais avant tout ça. Ça peut servir. Non. À moi les primes. Ça doit passer par là-dessous. Yeah.
Dans la milice. Oh merde, un rageur, putain. Peut-être que je peux le contourner. Tu dis ça ? L'ai vu avec le capitaine Coury. Laissez-le entrer. Capitaine, j'ai trouvé votre type, là, Anderson. Vous aviez raison, il avait toujours son insigne de la milice. Il est mort ? Disons qu'il a eu une altercation avec une meute de loups avant que je lui mette la main dessus. Le genre de mort que méritent les voleurs et les meurtriers. Oui, chef. Merci bien, caporal. Rompez.
Hé, caporal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nouveau dans le coin? Moi, c'est Ava Bergstrom. Mes amis m'appellent Bergie. Deacon St. John. Ouais, je viens d'arriver. Eh bien, Deacon St. John. Fais ton boulot et on s'entendra bien tous les deux. Ça te va? Oui, madame. À plus. Et sors pas sans ton flingue, ok? Juste faire une petite sieste. C'est parti. Je m'en occupe. Caporal St. John. Wade Taylor pour Deacon St. John. Oh, Taylor, j'entends une moto. Ne dis pas que t'es dans le No Man's Land en train de suivre ton trafic de drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Ah non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97? Non, c'était pendant la journée. Il faisait beau, j'ai pas vu un seul mutant. Et il y avait ce groupe de mecs. Ils se sont arrêtés dans un gîte de montagne. Tu savais qu'il y avait un gîte dans le coin, toi? Moi, pas du tout. Taylor. C'est vachement bien là-bas. Si jamais je décide de changer d'horizon, c'est là que j'irai. Oh merde, il faut que je te laisse. Il s'arrête dans un autre camp. Terminé. Taylor, oh putain, il va se faire tuer, ce crétin de bois. Deacon St. John pour le capitaine Corey. St. John pour courir. Répondez. St. John, je viens de parler au colonel. Il vous a affecté à la division de recherche. Capitaine, la division de recherche, j'imagine qu'on peut l'appeler comme ça, j'aide les lieutenants Weaver et Whittaker. Excellent. Ils ont bien besoin de votre aide. Je vois pas trop en quoi, mais je fais juste office de coursier pour le moment. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle. Le lieutenant Whittaker m'a donné un formulaire de réquisition pour de la levure. De la levure? Attendez une seconde. On a des patrouilles en mission de ravitaillement dans toute la région. Ils notent quand ils tombent sur des objets intéressants. Ouais, voilà. Ils ont repéré de la levure et d'autres ingrédients dans les cuisines du centre pour visiteurs de Crater Lake. Vous voyez où c'est? Bonne nuit. Un bidon d'essence.
Pardon, oui, donc ? Ils ont repéré de la levure et d'autres ingrédients dans les cuisines du centre pour visiteurs de Crater Lake. Vous voyez où c'est ? Ouais, je l'ai trouvé. Bonne chance, caporal. Terminé. Et que ça saute ! Grande saloperie ! Ce que je peux faire. Ouais, ça va tenir. Thank you.
Tiens. Le corps est nettoyé. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être de l'autre côté. Hein? Enfoiré. Un bon cœur. Ouais, il peut en avoir un. Il suffit de le trouver. Voilà. Sous la trappe. C'est quoi, ça? Une carte? Des notes? Impeccable. Hey, c'est quoi? Instruction fabrication. Ouais, parfait. Enregistreur. Ouais, c'est le service demain. J'ai vérifié le tableau. Un autre inventaire du numéro. Ouais. Cool. On m'a signé 4 jours d'affilée. Vous savez s'il a le droit de faire ça? Ah ouais, il a fait ça? Ouais. Bah non, il doit avoir le droit. On a du pain sur la bouche. Petit cocktail de vitamines. Ouais, je comprends bien. Mais merde, Doc. Quand même. Ils en font baver. Pas encore assez. Pas assez de temps libre pour jouer aux cartes dans vos bunkers chauffés? Oh, pauvre chérie.
Attends. Cuisine. Oh, et merde. Des brutes. Il fallait que ce soit des brutes. Allez! Plus qu'à trouver de la levure. Les cuisines, ouais. C'est sûrement dans les cuisines. Oh, et merde. Des brutes. Il fallait que ce soit des brutes. Ça pouvait pas être simple, hein.
s'en servir. C'est bon. Voilà, nickel. J'espère que ça suffira. Écoutez ce que vous vouliez, la levure. Vous n'avez pas besoin. Je suis sûr que ce que vous avez dit est bien. Curieux, pourquoi vous avez besoin de... Désolé, mais je suis occupé. J'y aille. On parlera de vous. Terminé. De la viande fraîche.
Bon, tu arrêtes la comédie, s'il te plaît. Pardon ? Je sais que la situation est bizarre, mais j'y peux rien pour l'instant. Ouais. À part que je dors dans un baraquement avec une dizaine de troufions, alors que ma femme occupe une tente privée dans les quartiers des officiers, je vois rien de bizarre. Ticone. Il y a aussi le fait qu'on se croise que quand je remplis une mission pour elle. Mais non, rien de bizarre à part ça, madame. Ma levure, merci. Tu veux faire un gâteau ? Si t'as besoin d'un four, je sais non, où en dégoter non, un. Non, je m'en sers pour cultiver des protéines virales. Ça permet d'activer les anticorps. Mais bien sûr, tu étais ironique. Gâteau, protéines virales, c'est du kiff-kiff pour moi. Eh, pas si vite. Tiens. Merci. Tu l'as déjà dit. D'être resté, je veux dire. Oui, chef. Non, non. Posez-les là. Merci. Caporal St. John, ici le docteur Jiménez. St. John ? Salut, Doc. Ici Deacon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oh, St. John. Parfait. Je voudrais que vous passiez à l'infirmerie. Il y a un problème ? Vous avez besoin de quelque chose ? Non, non, non. Rien de tout ça. C'est pour suivre l'évolution de votre blessure. Ma blessure ? Mon bras. Ça va, Doc ? Une brûlure au poêle à bois ? Ça plaisante pas. Vous voulez que ça s'infecte ? Allez, venez me voir. C'est un ordre. Ok, Doc, ok. Comme vous voudrez. Terminé. Vous en avez pas mal. C'est tout. Très bien, Caporal. À bientôt. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici ? Hé, hey, Caporal, ça roule ? Salut, sergent. Et voilà. St. John, ici le capitaine Coury, répondez. Ouais, capitaine, je vous écoute. Je voulais vous dire que le colonel fait un petit discours informel tous les soirs, au crépuscule, sur l'aire de rassemblement où vous avez prêté serment. D'accord, chef. Et bien que les discours soient informels, la présence de tous les conscrits est requise. C'est noté, chef. Terminé. Reste pas là, l'ami, reste pas là. Ah, génial. Un commandant qui aime les causeries au coin du feu. J'ai hâte. D'accord. Et caporal, on se voit plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Hé, hey Doc. Entrez. Sientense. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voyons voir. Alors, pour qui vous rouliez avant tout ça ? Je vois pas de quoi vous voulez. Non me mientas. Caporal,
J'ai passé 20 ans à Los Angeles à rafistoler des bandas de motoristas, entre autres bandieros. Je connais les signes. Et ça, là, ça vient pas d'un poêle à bois. Ok. Nettoyez bien, et ça cicatrisera. Mais vous aurez une marque. Et je veux que vous repassiez me voir dans 2 jours. Ça marche. C'est drôle. Quand tout a merdé en ville, les quartiers en guerre depuis des années se sont unis pour combattre. Ensemble. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Peu importe. C'est dingue qu'il en faille autant pour unir les gens, non? Merci, Doc.
Saint John, réponds. Taylor à Deacon Saint John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près. Des dizaines de nouvelles recrues ont rejoint nos rangs. Soyez les bienvenus. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe le pays qui vous a vu naître, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous soyez gay, lesbienne, bisexuelle ou transgenre, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce sont des choses décrétées par le Tout-Puissant et nous les acceptons. Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les menteurs, les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les fornicateurs, les hommes et femmes adultères ou coupables de parjure, les toxicomanes ou les criminels en tout genre, que leur crime ait été commis dans cette vie ou dans la précédente. Votre façon de vous comporter, l'attitude que vous adoptez aux yeux de Dieu, ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Et tout soldat ou officier reconnu coupable de la moindre transgression, aussi minime soit-elle, sera amené ici, sur cet échafaud, pour être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Certains d'entre vous trouveront peut-être cette sanction cruelle, mais sachez que toute sanction infligée par nos soins est un acte miséricordieux comparé au châtiment divin qui s'abat sur le monde en dehors de ces murs. Personne n'est parfait. Nous ne vous demandons pas la perfection. Ce que nous vous demandons, c'est l'obéissance, l'ordre et la discipline. Donnez-nous ces choses, et nous gagnerons cette guerre. Rompez ! Saint John, réponds. Taylor à Deacon Saint John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis. Oh, ça, je suis pas loin. C'est comme si j'étais dans son jardin. Hé, hey, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans un petit camp au sud de Crater Lake, à côté de South Rim Drive. Taylor, écoute-moi, je sais pas ce que tu fous, mais tu devrais... Non, non, merde, non, 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 non. Lâche-moi, lâche-moi. Hey, Taylor... Taylor ! Oh merde ! À la prochaine, caporal. Saint John pour lieutenant Whittaker, à vous. Je passe sur un canal privé. Attendez. Deacon, tu m'entends ? Ouais. Écoute, j'ai jeté un œil à ton formulaire de réquisition. Tu veux du silicate ? Oui, du silicate. Je m'en sers comme solution de distillation au chromatographe. Au chromato quoi ? Désolé, c'est le seul axe de mes recherches qui progresse bien. Bon, et ton silicate, je le trouve où ? Merde, je croyais l'avoir noté sur le formulaire. Attends, ok, il y a un petit bazar au sud-ouest, près du village de Mazama. Tu devras en trouver là-bas. Ok, ça marche. Merci. Enfin, je veux dire, disposé, caporal. Oui, chef. Lieutenant. Terminé. Du silicate. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'abord ? Deacon, t'es là ? Je suis là. Je sais pas.
peut-être ici. Comme ça. Ouais, enfin... je pourrais aller d'autre. En plus, si je m'en vais, je serais obligé de rendre cette magnifique casquette, alors... ça me plaire, cette casquette. Vraiment. J'en doute pas. Ok, bon. Faut que je retourne bosser. J'ai déjà rempli une demi-douzaine de boîtes de pétri avec la levure. Cool. Garde-moi un peu de protéines virales. Pas de problème. Lieutenant Whittaker, terminé. Merde. Capitaine Coury, ici le caporal Russell. À vous. Battez hors trait, putain, bougez-vous. Vous avez entendu. Repliez-vous, repliez-vous. Russell, au rapport. Chef, nous partons en mission de ravitaillement à Chemult, mais on s'est retrouvé face à la plus grosse horde que j'ai jamais vue. Bougez-vous le cul! Allez! Allez! Vous avez entendu le caporal! Bon, écoutez-moi très attentivement, caporal. Sortez vos hommes de là. On n'est pas prêt à engager le combat. C'est compris? À vos ordres, chef! On va pas se faire prier! Allez, petit, ne laisse pas tomber. Dis-nous où est ton camp. Et peut-être quand elle sera partie, hein. Je t'emmerde. Oh le putain! Je crois qu'il nous a pas bien entendu! Voyons comment on peut arranger ça. Oh, je vous dirai rien. Allez, c'est pas... Attendez. Et maintenant, tu m'entends mieux? Tirez-moi ce merde d'ici. Mon oreille. Arrêtez. Vous en dites quoi? On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire contre des crédits. Tiens bon. J'ai vu quelque chose. Pour toi les vents. Ah, mais ça, ça te plaît? Oui, bâtard, il l'a tué. Touche pas, mes potes. C'est dur.